Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour le boss, donc le boss limité de la collab. Donc le boss c'est Pételgueux, je crois, il s'appelle comme ça. Je sais pas si je me trompe, peut-être que je prononce mal, je sais pas. Donc ouais, bon moi je vais l'appeler Pételgueux dans cette vidéo. Donc clairement tu verras que bah, le boss c'est vraiment pas compliqué dans cette vidéo. De toute façon je vais te donner je vais te donner deux teams, hein. Genre première team. En gros la première team, bah tu prends ta team du démon gris. Ce que je vais te montrer, tu vois dans la vidéo. Et deuxième c'est une team avec Rem. Après il y a plein de teams, tu vois, moi je te donne deux teams. Mais vraiment ce boss les gars il est vraiment pas compliqué. Donc let's go. Donc là j'ai invité Crytek. Et pendant, en vrai pendant les boss je vais t'expliquer vraiment les... Bah ce qui fait le boss, tu vois, parce qu'il y a quand même des trucs à savoir, tu vois. Oh, pour éviter Crytek. Donc moi je joue cette team. Donc bon je joue Merlin, en vrai à la place de Merlin tu peux juste prendre bah tu peux prendre King, hein, tout simplement. Si tu joues King, bah t'enlèves vraiment sub, tu mets, je sais pas, perso cheaté, je sais pas, Leonie, tu vois, pour booster les stats de King Vert. Et bien évidemment, là, vu que tu peux jouer Estine, parce qu'en fait, si tu jouais le Bram, parce que les gens, ils savent, comment dire, si tu joues le Bram, en fait, ton passif de Govert ne marchera pas, tu vois. Donc si tu joues Estine, bah il marchera. Bon, là, je joue pas Govert parce que bah, j'ai Merlin qui est un inconnu, tu vois. Et Sorgan, lui, il joue ça comme team. Il joue bah, la team démon gris, quoi. Lui, il joue des pas en sub, d'ailleurs, ouais, tu peux le mettre. Et là le but de cette team bah, c'est comme un démon gris en fait hein, genre faut que limite t'es deux, faut que t'aies ton up. Après si tu joues Lise en vrai, tu peux jouer Lise. Et au lieu de mettre Gil bah tu mettras Lise quoi. Et tu prends un Elbam quoi ou une Estine bleue. Tout simplement, bon là tu vas voir, y'a rien de compliqué en vrai, c'est. En fait c'est juste du rank up et tu one shot hein, et puis voilà, terminé hein. Et du coup, oh nice, prochain tour je pourrais rank up. Bon, je gère. Ouais. Enfin, je vais lui dire. Donc là, je vais t'expliquer ses skills aussi. Donc il y a un skill qui fait en single target, il bloque les cartes, donc les up, les boosts, etc. Après, t'as un autre single target qui met deux embrasements sur bah, une cible, c'est encore une mono cible. Oh, j'ai vraiment à chier. Et après t'as un AOE qui fait dégâts x3 je crois. Ok mais sur le mauvais perso, bon, tu verras de toute façon. Si tu mets sur Gozer c'est chiant. Ok là fait l'AOE du coup regarde, il va enlever. Donc il fait dégâts x3 je crois avec les personnages qui ont des malus. Voilà le refait. Au point il fait quand même mal le boss en vrai, je vais pas te le cacher. Surtout que si t'as les malus ça fait... tu prends cher en vrai. Ouais, mais la carte. Ah, ouais, il doit avoir plusieurs cartes, je pense. Bon, vraiment, j'ai une main à chier. Hein. Je sais pas pourquoi il a fait ça, Crytek. Parce qu'après, il y a une main de ouf, hein, j'en sais rien, mais. Je sais pas. Bon, moi, je one shot avec Merlin. Hein. Voilà, de toute façon, je t'ai dit, c'est un démon gris, donc. Rien de compliqué. 732 000, voilà. On n'en parle plus. Terminé. Bravo, comme je t'ai dit, rien de compliqué. D'ailleurs, pardon, truc à noter, c'est qu'au troisième tour. Donc ouais au troisième tour de l'ennemi, ouais c'est troisième tour, il se met le buff de Derriere, en gros tu pourras pas le taper pendant un tour. Hein. Qu'est-ce qu'il fait gros. Bon, voilà, comme je te dis de toute façon c'est un démon gris, hein, genre rien de compliqué. Bon genre tu sais pas, il a fait vraiment des plus chelous, j'ai pas trop compris, bon bref. Soit comme je te dis vraiment, Pételgueux c'est rien de compliqué, genre tu prends n'importe quelle team, enfin surtout une team démon gris, tu le fais tranquille, hein, bah regarde les dégâts, hein, de toute façon tu le vois. Hein. Hop Merlin. Voilà hop. Terminé. Voilà les gars, c'était très compliqué. Voilà Pételgueux, comment tu le fais. Genre vraiment les gars, il est pas très compliqué. Genre sinon je t'ai dit les skills, hein. Genre vraiment c'est rien de ouf. Hein. Y a un skill qui bloque les malus, enfin les malus, les bonus. Donc en gros tu prends pas rank up, etc. Mais après tu les enlèves avec la E. Bien évidemment c'est aléatoire. Des fois il peut pas la mettre. Enfin, il ne peut pas la mettre. Pardon, j'ai dit une phrase vraiment chelou. Enfin vraiment les gars, c'est vraiment mais rien de compliqué. Genre c'est rien de méchant. Je fais comme la vidéo, tu vois, parce qu'il y en a, ils ont besoin de d'un petit tuto. Donc là, on va changer la team, on va mettre Rem. Bon, tu vois que Rem, par contre, c'est comme largement plus simple. Genre, tu verras. Là, il va changer sa team aussi. Lui, il va prendre Arthur, Arthur rouge et Rem. Et tu verras que bah c'est incroyable, genre. Voilà, il change sa team. Et en ce, bien évidemment, il va mettre Ram, hein, parce que DP, là, il sert à rien. Ram qui sert à booster, les, je le rappelle, les stats de base de 20% de la race inconnue. C'est trop cheaté, genre, franchement, Ram, ce perso collab, mon pote, c'est incroyable, genre, vraiment, c'est incroyable. Voir, par contre, les ressources que tu drops. Hein. Là, j'ai oublié de le dire, quand t'es lot, tu drops 55
Bon, c'est un tissu, on dirait 55 de tissu garanti. Et sinon, ça, c'est le taux de drop de chaque coffre, quoi. Pas vraiment rien de ouf. D'ailleurs, Béatrice, elle a tout, bon, elle sert un peu à rien, par contre, je vais pas te le cacher. En fait, elle sert juste à heal toute ta team, en gros, t'es invincible, quoi. Mais franchement, comme je dis, tu prends ta team démon gris et la team là avec Rem, bah ça passe tout seul, quoi. J'espère qu'on aura de la chance parce que vraiment le problème quand t'as pas de lise, c'est qu'en fait faut avoir de la chance sur le rank up, tu vois. Ah bon, ok. Après, de toute façon, tu peux pas jouer lise vu qu'il faut une team mono verte, mais bon, t'as compris, tu vois, surtout avec l'autre team. Ok. On va faire des fusions pour booster la REM. J'espère avoir un rank up en vrai parce que sinon ça va être chiant. Genre vraiment t'as pas de rank up en vrai, c'est trop chiant. Genre le boss il dure 10 ans pour rien. Rank up? J'ai pas de rank up par contre. Est-ce qu'il y a un rank up Jordan? Aïe aïe aïe, y'en a pas de rank up gros. En plus il fait pas son AOE je crois, non? Ah si, il a fait, ok. Bon. Je sais pas, on fait quoi en vrai? Je sais pas si on temporise. En fait, c'est quoi? Je vais peut-être faire des skills. Bon, ok, nice. Après, c'est stonk là par contre. Bon, là, on a pas de rank up, mais on va quand même tuer, tu vois. Bon, ok. On a pas eu beaucoup de chance par contre, c'est vraiment dommage, je trouve. Le bon shot, elle. Oh là, bon. Rem, hein. Ça, Rem. Calmos, Rem, par contre. Hein. Rem, les gars, elle est totalement cheatée pour le boss. T'as vu, j'ai un peu de rank up, j'ai one shot sans difficulté. Hein. Genre, vraiment, les gars, Rem, c'est un délire. Hein. Genre, elle est beaucoup trop forte, Rem. Hein. C'est. Bref, Rem, hein, je vais te dire. Oh, voilà, les level 1, tu verras. Bon, totalement cheaté. Bon, là, c'est terminé, de toute façon. Hop, là où eux, les gars. Trop bien. Pff, n'importe quoi, c'est parce que, franchement, c'est n'importe quoi. Hop, single target level 1. 324 000. Voilà, bon, regarde. T'as vu comment Rem elle est pétée? Genre vraiment cette team les gars avec Rem, c'est n'importe quoi, franchement Rem. Rem c'est beaucoup trop fort en fait, genre vraiment c'est. Ce perso actuellement c'est un délire en fait. Genre en fait c'est un Escanor rouge, mais en 10 fois meilleur quoi, genre vraiment c'est. Ok hein. On va peut-être refaire une run en vrai. Attends, on va refaire une run, attends, je vais dire à Crytek. Attends, je vais dire une dernière. Hop. Ça, je te montrais vraiment avec une level 3, etc. En vrai, je pourrais changer de team, mais en vrai, flemme de stuff tous les persos. Je sais pas s'il a vu le message. Go. Hop, let's go. Go refaire. Là, j'ai juste envie de te montrer avec vraiment un boost level 3, carte level 3, etc. Au moins, comme ça, ça fait aussi mes péter le gueule quotidien, tu vois. Non, vraiment c'est pas compliqué, genre je fais la vidéo parce que au moins il y aura une vidéo tu vois pour tous les joueurs glow. C'est au moins que dès qu'il y aura la célébration sur la glow t'es en mode bah t'as déjà les teams quoi. Tu te prends pas la tête à trouver les teams. Ça c'est cool en vrai. Allez rank up s'il te plaît le jeu. Ça on est bien, on met des level 3 et hop on en parle plus. Un petit 1,5 million là. Rank up ici. Dommage. Allez, le jeu donne des rank up là. Le jeu, je sais pas, il y a un problème. Peut-être qu'il veut pas le jeu, j'en sais rien, mais. Organe 70k, hein, coucou. N'importe quoi. Hein. Vraiment, Rem, c'est un délire ce perso. Hein. Oh, yeah, je peux rank up. Et il bloque Rem, Balek. Balek, vraiment, Rem aurait bloqué aux F-tier. Le plus chiant, c'est que s'il fait pas son skill AOE, pardon, c'est qu'en fait tu seras bloqué. Par exemple, s'il attaque son Gozer ou Taïsin, bah t'es dans la merde quoi. Vraiment, c'est trop chiant. Du coup, il attaque ou pas? Est-ce que je vais le laisser attaquer en vrai? Ça, moi, deuxième fois, je te montre. Bon, tu vas voir, les dégâts, c'est incroyable. Hein. Genre, vraiment, tu verras, tu vas être en mode ah. D'ailleurs, regarde la petite AOE là. L'AOE de Rem. Combien de dégâts hein? Quoi? Ah ok d'accord.
Enfin, je demandais, laisse-moi taper BG. En tout cas, je vais mettre full boost pour être là-haut à 500 000. Rem, elle est pétée, hein. Genre vraiment, c'est un délire ce perso. Surtout, je vais faire une vidéo avec Arthur. Oh, full boost, regarde, full boost, full boost. En plus, deuxième phase, chose à noter, c'est qu'il prend moins de dégâts. Il y a une réduction de dégâts. Okay. Allez, allez, Rem, d'accord, Rem, allez, allez, allez. Elle est vraiment équilibrée, Rem. Hein. Vraiment, c'est. C'est n'importe quoi. Franchement, Rem, c'est n'importe quoi en PvE. Genre, ce perso en PvE, c'est un dilemme en PvP. Hein. En combo avec Arthur. Pauvre. Bon, bref, les gars, voilà. Vidéo sur Pételgus, hein, clairement, rien de compliqué. Si t'as pas Rem, etc., tu joues la team des Mongris. Tu te prends vraiment pas la tête. Et sinon, bah, tu prends la team avec Rem et voilà, ça passe tout seul. Hein. Genre, ton pote aussi, s'il y a Rem, bah, go. Hein. Genre, vraiment, c'est vraiment pas dur. Genre, vraiment, les gars, il y a rien de compliqué. Donc, voilà, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé, frérot. Moi, je te laisse. N'hésite pas à t'abonner, à mettre ton meilleur like. Sur ce, moi, je te dis bonne journée, bonne soirée, bonne app. Tu connais les bails. Voilà, BG. Tchuss.